Réservé depuis 20 ans à l'entretien des routes secondaires peu circulées, l'enduit superficiel n'a pas passé au même rythme que les autres techniques routières. Les enrobés à chaud, dans leur développement considérable, ont recouvert nos chaussées, entraînant parfois, par accumulation des couches, une diminution de la hauteur utile sous les ouvrages d'art, ou encore un enfoncement du trottoir par rapport à la chaussée. Et pourtant, l'enduit superficiel est la technique de choix pour un entretien préventif en couche mince. Sur chaussée lisse, la tâche obtenue dans l'essai de profondeur au sable est large. Après traitement, par un enduit qui régénère la rugosité superficielle, le même essai donne une tâche d'autant plus petite que le revêtement est plus rugueux. L'enduit superficiel imperméabilise la chaussée tout en limitant l'aquaplanage en raison de sa structure drainante. Il accroît la sécurité de l'automobiliste en améliorant ses possibilités de freinage sur chaussée mouillée. L'enduit ne doit cependant pas être un cache-misère. Un support acceptable est la première des conditions assurant la qualité finale. Si le support est trop déformé, il faut améliorer l'uni avant d'enduire. On procédera à un déflashage. On peut aussi faire un reprofilage en grave-émulsion. De même, on aura bouché les nids de poules en évitant le pointatant, source de reçoage localisé. Le maître d'œuvre peut choisir, en fonction du trafic et des conditions locales, entre plusieurs types d'enduits. Réalisé avec des liants traditionnels et des granulats de bonne qualité, l'enduit classique convient aux routes peu et moyennement circulées. Lorsque s'accroissent intensité et vitesse de circulation, il est préférable de réaliser un enduit amélioré à base de liants visqueux, parfois additionné de polymères et de granulats propres, de très bonne forme et d'excellente résistance mécanique. Enfin, s'il faut traiter des points singuliers, virages, zones à accidents fréquents, on choisit l'enduit haute performance dont les constituants sont très élaborés, liant à base de résine synthétique, granulats de qualité exceptionnelle. Réaliser un enduit, c'est faire une suite de choix guidée par le fascicule 26 du cahier des prescriptions communes et par la directive pour la réalisation des enduits superficiels. Voyons comment se posent sur un chantier d'importance moyenne ces différents choix. Premier maillon de la chaîne, le liant, qui assure l'imperméabilité et la liaison entre le granulat et le support. La consistance du liant intervient d'abord sur le mouillage du granulat, qui pour être parfait suppose une certaine fluidité. Elle intervient ensuite sur le comportement sous circulation de l'enduit au jeune âge, d'où l'importance que prend le choix de la viscosité et l'influence sur ce choix de l'époque des travaux et de l'intensité du trafic. Si le liant est trop fluide, les efforts tangentiels de la circulation le font basculer. Si le liant est trop visqueux, le granulat est insuffisamment mouillé et on assiste à des départs importants. Deuxième choix à effectuer, celui du granulat. Les caractéristiques exigées sont élevées car le granulat est directement agressé par la circulation et les agents atmosphériques. Il conditionne en grande partie la longévité et les qualités antidérapantes de l'enduit par ses propriétés mécaniques et sa géométrie. Celle-ci est définie par trois dimensions: longueur, grosseur, épaisseur. Le classement se fait selon la grosseur par tamisage sur maille carrée, selon l'épaisseur par un tamisage sur grille à fente. Le coefficient d'aplatissement est alors défini comme le pourcentage d'éléments d'un lot dont le rapport de ces deux grandeurs est supérieur à 1,58. Autre aspect de la géométrie du granulat, son angularité.
la quantité de faces arrondies doit être minimale. Si les caractéristiques géométriques sont déterminantes pour la macro-rugosité, elles influent sur le dosage théorique et sur le rejet. L'obligation d'un fuseau resserré et d'une tolérance faible s'explique par le fait qu'une granularité très étalée conduit à la mauvaise mise en place des granulats, donc à un rejet. Il peut aussi provenir d'une différence de pouvoir couvrant. On voit très nettement qu'un même volume de granulats, de même grosseur, mais de longueur différente, ne couvre pas la même surface. Les propriétés mécaniques du granulat sont mesurées en laboratoire par différents essais qui tentent de reproduire l'action dynamique du pneu. La fragmentation des granulats, due au choc répété, est simulée par l'essai Los Angeles ou par l'essai de fragmentation dynamique. L'essai micro-Deval, en présence d'eau, caractérise pour sa part la résistance à l'usure par frottement à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire la durée de vie des arêtes du granulat. L'usure par frottement à l'échelle microscopique est réalisée par le roulement d'un pneumatique en présence d'abrasifs et d'eau. L'évolution du poli des granulats est exprimé par le coefficient de polissage accéléré. Ce ressuage généralisé correspond à un ensemble de caractéristiques insuffisantes. Une différence d'usure se manifeste également très bien, minime lorsque les caractéristiques mécaniques du granulat sont bonnes. Elle est très importante lorsque ces mêmes caractéristiques sont insuffisantes. Pour une classe de trafic supérieure à 6000 véhicules par jour, le granulat doit être rejeté si le micro de Val en présence d'eau est supérieur à 15, ou si le coefficient de polissage accéléré est inférieur à 0,40, ou si le Los Angeles est supérieur à 25. En dehors de ces valeurs éliminatoires, se produit une certaine compensation entre les caractéristiques. Ainsi, le granulat ayant un bon coefficient d'aplatissement pour un Los Angeles inférieur ou égal à 15, si le micro de Val en présence d'eau est inférieur ou égal à 5, on peut admettre un polissage accéléré supérieure ou égale à 0,40. Si le micro de Val en présence d'eau est inférieur ou égal à 15, on doit avoir un coefficient de polissage accéléré supérieur ou égal à 0,50. Souvent, la liaison du couple liant-granulat est consolidée par l'action d'un dope d'adhésivité, une affinité médiocre entraînant un échec. Les essais de laboratoire permettent d'apprécier l'importance du problème sous ces trois aspects. Adhésion globale, adhésivité passive, adhésivité active, puis de définir les remèdes s'il y a lieu. L'adhésion globale, appréciée par l'essai de plaques vialites, à partir de granulats secs et non lavés, décèle entre autres les effets de la poussière présente sur le matériau. Si l'adhésion est mauvaise, on envisage un traitement du granulat, lavage ou dépoussiérage, puis l'essai est recommencé pour tester l'efficacité du traitement. Si le résultat est bon, on contrôle l'adhésivité passive par l'essai d'immersion statique qui permet d'évaluer le risque de désenrobage des matériaux par l'eau. L'adhésivité est mauvaise. Il est nécessaire d'améliorer la solidité de la liaison granulat-liant. On cherchera le DOP à utiliser par un traitement dans la masse du liant. Puis l'efficacité sera vérifiée. Le résultat est bon. Deux cas peuvent encore se présenter. Les granulats du chantier sont secs. Le couple est accepté. Les granulats du chantier sont humides. On jugera l'adhésivité active par l'essai de plaques vialites effectuées en atmosphère humide sur des granulats non lavés et humides. Si elle est mauvaise, on envisagera un dopage par une technologie convenant localement. Dopage dans la masse du liant, dopage d'interface, pré-enrobage ou pré-traitement des matériaux. Puis on s'assurera de l'efficacité du traitement. Si le résultat est satisfaisant, on accepte le couple ou l'ensemble liant-granulat-traitement.
Mais quelle structure va-t-on adopter? Le trafic, par sa vitesse, son intensité, sa charge et l'état du support vont en décider. Le monocouche se compose d'une couche de liant, puis d'une couche de granulat. Cette structure ne présente pas le meilleur drainage, surtout lorsque les granulats forment une mosaïque trop serrée, mais sa rugosité est bonne. Le bicouche comporte une couche de liant, une couche de granulat, à nouveau du liant, et pour terminer, des granulats de dimension plus petite. Les granularités peuvent être continues ou discontinues. Une variante consiste à répandre sur une couche unique de liant, plus dosée que dans le monocouche, successivement deux couches de gravillons de granularité généralement discontinue. Ce monocouche, dit double gravillonnage, est un heureux compromis entre les précédents. On y retrouve rugosité, drainabilité et durabilité, en même temps qu'un calage des granulats qui évite les bris de paroi. La granularité des matériaux influe sur la macro-rugosité de l'enduit. Elle intervient aussi à plusieurs titres dans ce phénomène d'enfoncement du granulat dans le support qui donne une impression de reçoivage. Reçoivage qui peut être bien réel si le liant est en excès. Si le dosage en liant est insuffisant, on aura un plumage. Le dosage des granulats est également important. Ainsi, dans un double gravillonnage, la première couche doit laisser apparaître un tiers de noir, afin que les gravillons de la deuxième couche se placent et donnent de la solidité à la mosaïque. Dans tous les cas, l'excès de granulats entraîne un rejet immédiat important avec la gêne que l'on sait pour l'usager. Vient maintenant l'exécution du travail par un personnel qualifié. Elle suppose tout d'abord une bonne organisation dont le premier effet est la constitution de stocks de granulats desservis par un matériel fonctionnel sur des aires aménagées permettant une rotation optimale des camions. Bon, après la deux chevaux grise, tu peux y aller, hein? Libère la circulation. On aura également prévu une signalisation et une protection suffisante pour faciliter l'exécution du chantier et la circulation de l'usager. N'oublions pas le balayage préalable, indispensable. L'importance du chantier et les formulations retenues déterminent le choix de l'atelier de répandage. Sur notre chantier, correspondant à des conditions moyennes, le liant est pulvérisé sous une pression de 4 à 6 bars par une rampe équipée de jets à cônes, chacun débitant théoriquement une quantité de liant constante. Deux autres types de rampes sont également utilisés. La rampe Leroux, ou Eure-et-Loire, donne un écoulement du liant enfilé sous une faible pression de l'ordre de 0,25 bars. Les rampes à jets à lame plate équipent le plus souvent les répandeuses avec asservissement de la pompe à la vitesse d'avancement du véhicule. Ces jets débitent une lame de liant, pleine, de forme triangulaire et plate. On conçoit bien que le fonctionnement défectueux du matériel, jets bouchés, mauvais réglage en hauteur de la rampe, perturbe la répartition transversale et longitudinale du liant. Il est donc indispensable de vérifier le bon fonctionnement du matériel. Le contrôle de la pulvérisation peut être fait selon deux méthodes. La première, de conception et d'exécution très simple, consiste à placer sur la chaussée des règles métalliques contenant des coupelles que l'on pèse avant et après répandage. On en déduit une courbe de répartition du liant transversale et longitudinale. La seconde méthode, en cours d'expérimentation, utilise le marquage du liant par l'indium 113M, émetteur de rayons gamma. Le traceur radioactif est introduit, après extraction automatique, dans le bitume où l'on vérifie sa répartition. Après épandage du liant, l'auscultation se fait par déplacement sur un rail d'un détecteur collimaté à vitesse constante. Les données numériques sont enregistrées à des intervalles de temps prédéterminés et on déduit les répartitions transversales et longitudinales de plusieurs positionnements du rail. Le bon fonctionnement des organes de la répandeuse doit aussi être vérifié. Nous voyons ici le banc d'essai des éléments de dosage des liants de la station d'essai des matériels routiers de Blois.
Pompes et filtres y sont contrôlés. Entre la répandeuse et le gravillonneur vient s'intercaler le dopage d'interface sauvegarde de l'enduit par temps de pluie. Un gravillonneur classique suit. L'inclinaison de la benne basculante détermine le débit des granulats. Leur distribution se fait par gravité, par vibration ou par un rouleau. Enfin, un système de répartition assure leur dosage, ainsi que la possibilité d'un épandage partiel. Des aménagements ont été apportés à ce matériel, adaptation de la largeur du gravillonnage à celle du répandage de liant. Cylindre extracteur évitant la ségrégation et asservissement de la rotation du rouleau distributeur à la vitesse d'avancement du véhicule. Enfin, gravillonnage à faible hauteur afin d'éviter les rebonds incontrôlés des granulats. On améliore ainsi les répartitions transversales et longitudinales des matériaux. Une première mise en place de la mosaïque est assurée immédiatement par un compacteur équipé de pneumatiques lisses, gonflés à 5 bars et chargés au moins à 1,5 tonne par roue. La circulation, impérativement ralentie, achèvera cette mise en place. Pour limiter les effets du rejet, un balayage doit être pratiqué dès que possible. Immédiatement, si la nature et la viscosité du liant le permettent, de toute façon, 24 heures après exécution de l'enduit. Les aspiratrices, comme celles que nous voyons ici, sont appelées à connaître un grand développement sur route pré-circulée, car elles évitent de nombreux accidents et permettent la récupération facile des matériaux. La réussite d'un enduit repose sur une suite de choix et de prévisions. Choix des constituants, nature et viscosité du liant, caractéristiques géométriques et mécaniques du granulat, dope d'adhésivité, choix de la formulation, c'est-à-dire de la structure de la granularité et des dosages, choix d'un matériel adapté, en parfait état de marche, donc contrôlé, planification et organisation du chantier. Enfin, personnel qualifié, donc formé, conduit par un responsable qui saura prendre la décision permettant de rétablir une situation compromise par un incident imprévisible. Pour un de ces éléments non satisfaits, le risque est important. Pour deux éléments, des désordres sont probables. Trois éléments, et c'est l'échec. Cette prise de conscience et les progrès réalisés à tous les stades ont donné une nouvelle jeunesse à l'enduit superficiel. Ne commence-t-on pas en effet à l'utiliser sur les routes à grande circulation et sur les autoroutes? Techniquement intéressant pour sa faible épaisseur et ses qualités antidérapantes exceptionnelles, économiquement valable, on peut considérer l'enduit superficiel moderne comme une méthode d'entretien rationnelle et systématique.